one moment when the music captures your suffering will be legendary even in hell. Merci Pined. Bonsoir à tous et à toutes. Partie 4. Hein, c'est ça? Partie 4 de l'excellent Resident Evil Biohazard, Resident Evil 7. Nous en étions arrivés où nous avions combattu contre Marguerite Baker, et on lui a subtilisé son... qu'est-ce qu'elle avait? Sa chandelle, hein, c'est ça? Et du coup... Ah! Il n'y a pas de jeu. Ah mais si... Quand il n'y a pas de jeu, il y a du jeu. On lui a subtilisé sa chandelle. C'était le moment que l'Extreme Labs prenne un peu son temps. On lui a subtilisé la chandelle et du coup avec cette petite chandelle, on va pouvoir les faire contrepoids et ouvrir la porte. Alors je crois qu'on pouvait... par où on était passé? Par ici. Non, pas du tout. Voilà, c'est là. Voilà. Alors, je vais regarder un petit coup la map. On doit se rendre à l'escalier là. Et pour ce faire, faut qu'on fasse tout le tour. Hein. Je crois qu'on a tué tous les... On s'est débarrassé de tous les nids. Où je regarde s'il n'y a pas un truc à looter là, non. Il nous reste peut-être un nid, voilà. Il est juste là. Donc on va courir, on va aller directement là-bas. On est bon là. Là on est bon. Ouais là c'est pour fermer, on n'a pas besoin de refermer. Non non on est bien là. Donc c'est à gauche. On sort et après on va à gauche. Je refais un petit check hein, de voir si j'ai rien oublié, mais a priori non. Ça m'a l'air d'être bon là. Attendez, là j'ai merdé. Ah. Ah non non, on y accède en là où il y a l'énigme de l'ombre. C'était une araignée. On peut passer à travers le mur, voilà, c'est ça. Wow. J'ai juste trompé, juste un tout petit peu. Salut Samus Aran. L'image est pas trop sombre? N'hésite pas à me dire. J'ai refait quelques modifications, alors peut-être que l'image là va être un petit peu sombre. Je ne sais pas. Allez, voilà, c'est ça. Mais alors du coup, putain mais quel con, j'ai fait complètement le tour alors que j'aurais pu accéder... Y accéder directement par le pont-levier. J'ai oublié qu'on l'avait abaissé. Bon, c'est pas grave, ça m'a permis de remettre un peu la main sur le gamepad et de me réhabituer. C'est bien par ici, hein. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est ça, on est bon. Oui, c'est un peu sombre. Vraiment? Montre-moi. C'est un petit peu sombre. Effectivement, merci. Je vais remettre un petit peu de luminosité. Voilà. Là, ça devrait être mieux. Merci bien. Oui, c'est ma femme. Vous le savez maintenant. Donc du coup, voilà, je suis monté. C'est ici. Effectivement, c'est un petit peu sombre quand même. C'est le problème avec OBS, c'est que le rendu que j'ai moi n'est pas le même que ce que vous avez. Moi je joue là, c'est très très clair. Mais ça va bientôt changer, je vais recevoir le Elgato. Ah et voilà. Qui est un boîtier d'acquisition vidéo et ça va être parfait. Je vais me prendre la tête. Tu nous as fait peur toi. Tu nous as fait un peu peur. Ah,
c'est pas le moment de déconner la lampe torche, hein. Faut pas, faut pas que tu me, faut pas que tu me lâches là. Vous voyez? Alors je me souviens ici en VR, pareil. Je m'étais un peu fait le caca dessus. On peut pas se soigner. Enfin, j'ai pas envie d'utiliser tout mon sérum. J'ai envie d'utiliser qu'une herbe. Charmant. Petite peluche. J'ai envie de prendre le shotgun là, hein. Je sais pas pourquoi. Là, il y a un dessin. C'est un navire. On a entendu parler de ça, hein, qu'un navire c'est échoué, hein, non loin d'ici. Bon, moi je connais l'histoire, mais pour les gens qui découvrent. Je n'en dirai mot. Bon, là, il y a eu du... Là, il y a eu du mucus, hein. Mon Dieu. C'est quoi ce mucus, là? Oh là, oh là, mais... Qu'est-ce que c'est que guerre? C'est de la merde? Je sais pas si ça en est, mais... Ça y ressemble. Là, on a une petite note. Quelque chose ne va pas chez elle. Il parle de qui? Petite porte qui se ferme, ça fait toujours plaisir. C'est un peu labyrinthique là. Hein. Non, la lampe, s'il te plaît. Ne t'approche pas. On va quand même tout de même s'approcher, hein. Si ça te... Si ça te gêne pas. Petite maison là. C'est un document là. Enfin, je me souviens en VR ici c'était quand même un peu tendu. Ils disent que c'est... Là il y a un petit dessin. Il y a un petit cœur. Et là au fond. On se souvient de la note de Marguerite, hein, qui disait qu'elle avait enfermé son secret. Oh, c'est là, hein, vraisemblablement. Ah là. Nickel. Bonjour. Ah voilà, c'est le bras de Céridé. Allez, c'est bon. J'imagine que c'est ça. Ça m'en a tout l'air. Bras de série des. Bon, on a ça. Elle nous avait dit qu'une fois. Zoé nous avait dit qu'une fois qu'on avait le bras. Oh putain. Il fallait qu'on la rejoigne au mobilhome. Allez. On y va tout doux. Il y a une save de fête. Ça sent le fight. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Allez, ouvre-toi, petite porte. Oh, voilà. Ah bah oui, mais fallait pas m'emmerder, là, oh. Mon Dieu. Oui, aujourd'hui, je suis en blanc. J'avais envie de me faire beau. Allez, viens là. Merde, je l'ai pas eu. Je voulais utiliser qu'une cartouche. C'est raté. Mais merde, il est pas mort. Peut-être bon là. Ah, c'est bon. Ok. Ok, ok, ok. Ça va. Ça a été là. Par contre, trois cartouches au lieu d'une. Je me sens lésé. J'ai l'impression qu'on m'a un petit peu. Je me suis fait avoir. J'ai ce sentiment-là. Qu'est-ce qui est écrit là?
My family, my family, my family. Evelyn. Oui, pourquoi pas. Salut Johnny. Hi. Salut Johnny, merci pour ton follow. Thanks for your to following me if you are English. I appreciate. J'apprécie beaucoup. Par contre, si t'es français, bah écoute, ça me fait très plaisir. Salut Johnny. Bon, on s'en est sorti. Une affaire qui roule. Bon, cette fois, on va pas faire l'erreur de faire tout le tour de la baraque, hein. Encore ? Ça doit être Zoé. Hein ? C'est Zoé. Évidemment. Tu l'as trouvé ? Ouais, je l'ai. On va vraiment fabriquer un sérum avec ce truc ? Ne t'inquiète pas. Une fois qu'on l'aura, on pourra sortir d'ici. Ensemble. Je t'attends dans la caravane. D'accord. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Faut l'argent dans la caravane. Au mobilhome, moi j'appelle ça un mobilhome, oh là là. Bon, cette fois on se fait pas avoir. On reste sur nos gardes, hein. Le jeu nous a appris à pas du tout lui faire confiance. J'avais rien oublié ici, non. Par ma fierté. Ok, ok. Bon, on est bon. Allez, on y va. Ce qui m'emmerde, c'est que dans la vieille maison, là où on a affronté Maggie, j'ai oublié quand même pas mal de trucs. Hein. Il y a pas mal de munitions et tout. Ça sera bien d'y retourner un jour. Tiens, je suis jamais passé par là. Ah ben bon. Et pour cause, on ne peut point. On ne peut point. Elle va alors on va enfin rencontrer Zoé du coup. Et chez elle, on a un rendez-vous galant, pour ainsi dire. Oula, ça rame là. Mais bientôt, ça va être une affaire ancienne, ça, c'est tous ces ramages. Hein. J'ai commandé quelque chose de très très bien. Oula, oula, allez, allez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, petit téléphone. Où est-ce que t'es maintenant? Hein? Bon, laisse tomber. Il nous faut la tête et tu l'as déjà. Et ça va nous aider, c'est ça? Zoé avait besoin de faire un break. Elle et Mia sont ici avec moi. Elles se tiennent mutuellement compagnie. Laisse-les partir! Qu'est-ce que tu leur veux? Non, non, non! C'est des histoires de famille, Ethan. Alors, tu te mêles pas de ça, t'as pigé? Thanks. Thanks, Johnny. Maintenant, it's very kind. N'hésite pas à venir la chercher. Je te la donnerai. Mais à condition que tu participes à une petite activité que j'ai préparée juste pour toi. Quelle activité? Oh, sois pas si impatient. T'inquiète pas, elle va pas s'envoler, tu sais. La première chose que je veux que tu fasses, mon pote, c'est jeter un coup d'œil dans le frigo de la caravane. Va te faire foutre! Oh, oh allez, sois pas si agressif. T'amuser un peu, pas vrai? Alors, regarde dans le frigo! Il nous demande de regarder dans le frigo. He ask us to look inside. Here. Ah, great. Bah, super. C'est top. Mais... C'est la tête de... Il y a eu une transformation, il s'est passé quelque chose là. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut pas le rappeler du coup. Je vais faire une petite save, la save du pauvre. Ah Johnny, you don't know French, but me I speak a little English. So, if you have question. Maybe I can answer.
Du coup, il nous a faussé tous nos plans là, Lucas. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Parce que j'étais pas très très attentif, j'étais en train de penser à autre chose comme d'habitude. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette tête? Ah voilà! Here we go! Le flic t'attend dans la salle de dissection, Tokard. Ok. D'accord, donc on retourne à la salle de dissection. On retourne dans la baraque donc. We have to return to the house. Alors, il va falloir qu'on redescende. Pour ce faire, là, il y a une petite save. Hein. Pour ce faire, il faut qu'on passe par la pièce scorpion. Il doit être juste ici, voilà. Salut Nictaras. Comment vas-tu? On n'a pas fait grand-chose. T'arrives à... On a eu un petit coup de fil de Lucas qui a capturé Zoé. Et il nous a dit de rejoindre le flic dans la salle de dissection. Là où on avait affronté le padre. Et entre temps, on a récupéré le bras. Voilà, je peux pas te le montrer. Ah si, il est là. On a récupéré le bras. Le D002. Pour faire le sérum. J'ai pas retrouvé ma polaire dans les bois. Ah bah voilà. Et tu as vu là? T'as vu par terre? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Ah, c'est pour rire. Moi j'aime bien faire les petites choses rigolotes. Allez, j'ai ouvert cette porte là, je pense qu'il faut qu'on aille par là. Je vérifie quand même un petit peu. Non, la salle de dissection elle se trouve ici. J'ai fait n'importe quoi alors. Je passe par là alors. Mais... Ah non, il n'y a pas moyen en fait. Il faut vraiment passer par par la chaufferie quoi. Il n'y a pas le choix. Là je suis qu'au fusil à pompe. Ça serait bien que j'utilise mon flingue. J'ai 52 balles. C'était référence de vieux. Ah oh. Bah tiens, elle doit la connaître la référence elle. Hein. Et puis elle doit en connaître d'autres encore plus anciennes. Bonjour madame. Si ça vous dérange pas, on va continuer à fouiller votre maison. Hein. Mais en fait, je me sens plus rassuré quand j'ai le shotgun. Oui, je disais en début de VOD, quand je parlais à Johnny. Attends, elle a vu Molière en live. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible qu'elle ait vu Molière en live. Oui, je disais à Johnny, enfin je parlais, et Johnny était là évidemment. Et je disais que j'ai acheté hier... Oh putain, mais j'ai bien fait d'attendre. Ah mais merde. Allez, on va régler ça vite fait. C'est bon là ou pas? Oh lolo! Oui, je disais que je m'étais... Bon, là par contre, on peut se soigner. Je me suis acheté le Elgato S10. On va plus avoir de problème de streaming. On va être tout le temps en 1080, 60 fps, nickel. Et j'aurai plus de différence de ratio et de... Pas de ratio. Là, les portes se sont fermées là. Ah non, c'est bon. On n'aura plus de problème de lag ou de quoi que ce soit. Bon, allez, on monte. Je pense qu'il y avait des choses que j'avais pas pu prendre, non? Non, non, là, c'est là où on avait fait le combat. Allez, on perd pas plus de temps. Le flic, normalement, était là, hein, dans cette pièce-là. Hein. T'as eu des nouvelles du flic? Bah, justement, il est là. Hein. J'étais persuadé qu'il allait revenir, c'est quoi? Mais non!
Le flic, tu te souviens, il s'est pris un coup de pelle par l'arrière, ça lui a coupé la tête en deux. Il est mort. En fait, quand il dit d'aller voir le flic, c'est d'aller voir son cadavre. Voilà. Il était accroché là. Et El Gato, alors ça s'écrit pas du tout comme ça, évidemment. C'est un boîtier d'acquisition. Son corps doit être en état de rigor mortis. Tiens, comme ton film. Rigor mortis. Les articulations sont déjà raides. Je dis ça parce que Nick Taras m'a conseillé un film. Il faut que je regarde. Rigor mortis. Une puanteur douceâtre se dégage. Il est déjà en train de pourrir. Attends, il m'a laissé un petit écriteau. Oui, donc pour terminer avec cette histoire, je me suis commandé un El Gato. Je sais pas si c'est exactement le nom maintenant que tu m'as écrit des conneries. Enfin, en tout cas, c'est un boîtier d'acquisition qui fonctionne sur toutes les consoles et qui fait du streaming, de la capture d'écran. Donc, j'aurais plus besoin de mon PC. Ça va être les consoles qui vont fonctionner et mon PC sera là uniquement pour streamer. Ça va être très très bien pour moi qui joue beaucoup sur console. Et on va avoir d'une bonne qualité. Voilà. Ah yes, je pensais qu'il allait revenir en mode zombie. Prove you're a real man. Ah oui, prove you're a real man. Stick your hand down this pig's throat. Ouais, prouve que t'es un homme. Plonge ta main dans la gorge de ce flic. Allez, c'est parti. Here we go. Désolé. J'ai mis les sous-titres, c'est plus confort pour vous. Surtout si je parle. Eh ben on a cette fameuse clé serpent. Ah ben on est content. Cette petite chose va t'aider à trouver les deux cartes d'accès dont tu auras besoin pour participer à notre petite fête. Tu dois gagner ton billet d'entrée, Ethan. Ok. Bon allez, on se casse. Maintenant, il y a plein d'endroits où on peut... Oh putain. Allez, viens là. Viens là, mon beau. C'est bon? Continue là de bouger, hein. Putain, c'est la voix du bouffon dans Skyrim. C'est possible en plus. Oula, oula. Il est pas mort, hein. Par contre, là, au niveau munitions, je vais être dans la merde. Là, je vais être dans la merde. J'aurais dû tracer, hein, j'ai fait le con là. J'avais pas oublié de prendre des trucs ici. Non. Allez, on a les clés serpents, on a trois portes qu'on peut ouvrir maintenant. Tiens, bah voilà celle-là, notamment. Hein? Ah non, pardon, j'ai pris le bras. Le bras, ça va pas le faire. That's kill. Alors. Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait. Oui, petit à petit, on se complète. Hein. Il va y avoir. Vous allez de plus en plus gâtés à force que j'ai des idées. De petites choses à incorporer. Du coup, on est où là? On a monté les escaliers. Aucune confiance. On est déjà venu ici? On aurait peut-être dû... Ah, regardez, là, il y a une herbe. Hein. Voilà. On est où ici, là? C'est quoi, ces gens-là? Comment on change de munitions, vite fait? Voilà, comme ça. Et là, je passe à l'autre chargeur. Mais non, mais on est retourné... C'est bon, on est retourné... Ça, c'est toujours fermé, le workshop, hein. Ouais. Non, non, on est juste retourné. Voilà. Non, c'est bon, je me resitue. On a ouvert une porte qui nous donne un petit raccourci. Enfin, ça se trouve, j'ai rallongé tout le truc. Mais... Non. Oh putain. Et oh là oh. Merde. Putain, on va crever ici. Je crois pas. Eh merde! Ah là 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 là! Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait!
Faut pas que je l'utilise de trop, après on va s'en lasser. Hein, faut pas se la... faut pas faut pas faut pas hein, vous savez comment on dit. Des bonnes choses. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut plus. Ah bah le jeu a planté. Carrément. Autant pour moi. Je relance le jeu. Le jeu a planté. Mycomorphe. Ah là, pour le coup, c'est lui qui a eu le skill. Cette petite attaque sur les murs. Bah oui, mais j'aurais dû garder mes balles de shotgun pour lui. Je suis désolé, je relance le jeu. Ça a planté. Alors j'espère que ça vous plaît que je sois en blanc ce soir. Hein. Parce que ça, je me suis donné grand mal. Hein. Le jeu... oui, le jeu rage quit. Bon, ça va vite hein, de dire tourner. Normalement. Bah du coup, on peut se regarder l'intro. Hein. Vous l'avez jamais vu. Je l'aime assez. Elle est assez sympathique, assez efficace, pas trop longue. Juste ce qu'il faut pour que je puisse fumer un petit peu. Je sais pas ce qui s'est passé, ouais, le jeu a bugué. Bon, bah ça me conforte dans l'idée que... J'ai bien fait d'acheter le boîtier d'acquisition hier. Je le reçois demain. Donc vous savez ce que je vais faire rien que pour vous? Je vais tout me retaper, le Resident Evil 7, jusque là où nous en sommes. Pour pouvoir le streamer de ma PlayStation 4 Pro. Et comme ça, on va avoir, tout va être fluide. Mon PC est pas assez puissant pour faire tourner ce genre de jeu. Il y a trop de lag. Et comme ça, ça va me retirer de bien des soucis. J'espère qu'il a pris en compte la save. Ouais. Oh, cette non. Petite chose va t'aider à trouver les deux cartes d'accès dont tu auras besoin pour participer à notre petite fête. Ok, bon, là je me fais pas avoir. Regardez, si on regarde le plan, si je descends, là si je sors, je peux prendre la carte direct ou alors je passe par la chaufferie. Alors, le mieux c'est d'aller à droite. Hein. Allez, je prends le shotgun et je pars direct à droite. Et je trace même. Voilà, comme ça j'économise mes munitions. Oh putain, mine-toi. Allez, mine-toi là. Ok. En tout cas, je suis désolé pour ton petit manteau. Je sais que tu tenais. Oh putain. Ouais, on va faire le grand tour. On va le leurrer. À moins qu'il y en ait un deuxième. Non, c'est bon, putain, on aura économisé toutes les balles. C'est bon là? Enfoiré! 3 balles de shotgun, hein. Mon dieu. Petite save. Bon, maintenant dans la maison, on a la clé serpent, on va pouvoir s'amuser. Putain, la save a été rapide là. On est bon là. J'ai plein de balles de flingue. Vaut mieux que j'utilise mon flingue. Hein. Merde, je suis con, c'est celui-ci qui fut utilisé. Oh là 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 là. À chaque fois, j'ai un flingue qui est mieux que l'autre. Alors, si je suis pas trop bête, à l'étage, je sais qu'il y a une porte. On va le... Oh là, tu m'as écrit un roman. Oh putain! Oh putain, putain, oh putain, putain, putain. Oh putain. On va y arriver, hein.
Et cours. Je vais me les faire. Je vais me les faire absolument. Parce qu'ils vont rester dans le couloir après. Et voilà. Allez mon chien, s'il te plaît. J'espère que t'es content. Tu as du beau skill. Alors qu'est-ce que tu m'as écrit comme saloperie encore? J'y tenais, ouais, surtout que le temps est encore frais. Il va pourrir quoi. Mais bon, j'ai envoyé ma femme acquérir une polaire de seconde main sur les sites spécialisés, ça ira très bien. Mais voilà. Combat d'anthologie, évidemment. Bon, on va commencer par celle-ci, hein. Non, j'ai bien sneaké, j'ai bien dodgé. Oh bah, décidément, madame, on n'arrête pas de se voir. Hein, coquine. C'est une petite coquine. On sait pas quand elle se déplace, mais quand elle se déplace, elle fait vite, hein. Alors là, y a rien. On est où, là? On a la chambre de qui? Le jeu est pas trop salaud, il rame pas trop ce soir, ça me fait plaisir. À un moment, la vieille, elle va te sauter à la goule. Mais ça me fait peur. Ah, un petit crochet. Je l'ai pris? Oui. Un petit crochet. Ah, une petite plante, ça fait toujours bien plaisir. Une petite note. La même heure que sur toutes les autres horloges. Putain, vous vous souvenez les autres horloges? Je m'en souviens pas, moi. Faut qu'on retourne voir. Putain. Comment elle s'appelle, la vieille? Léa? Ben oui, c'est Léa, regarde. Comment vous appelez, madame? Léa. Voilà, elle s'appelle Léa. On dirait le schéma d'une arme. On peut lui redemander, hein. Photo d'un trésor. Ouais, mais alors là, ça fait la troisième photo, on n'a pas été voir. Ah putain, on peut augmenter notre... Regardez, notre inventaire, là, il est grand comme ça. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4... il a 16 places. Et hop là, et maintenant... Et voilà. Et voilà. Bon, alors que ça nous a servi à quoi de venir ici? En tout cas, j'aime le souci du détail. On peut lui redemander. On va lui redemander à la vieille si ça vous fait rire. Hein. Moi, je comprends pas ce qui vous fait rire du fait qu'elle nous donne son nom. On est venu. Oh bah oui, en fait, on est venu parce qu'il y a l'énigme de l'horloge. Va falloir qu'on fasse ça. On va aller. Je sais pas. On va retrouver notre horloge. Regardez. Comment vous appelez, madame? Hein, madame, comment vous appelez? Voilà, ça s'appelle Léa. Tu peux rien. Hein. C'est votre fils, ça? Eh ben, dis donc. Vous devez être fier. C'est un fin patriote. Avril 1980. Jack rejoint les marines. C'est bien. Ah, ben, il y a un All Hail César. Parfait. Vous aimez l'Empire romain. Ça, c'est quelque chose qui va nous faire plaisir à moi et Nick Taras, évidemment. Du coup, on s'appelle Romain. Bon, trêve de conneries. Où on peut trouver une horloge? Vraisemblablement... oui, j'aurais dû demander l'heure. Il n'y a pas ton bouquin dans la bibliothèque? Non, non, il n'y a pas mes bouquins. J'ai écrit deux romans. Je me suis fait assez chier à les avoir écrits pour que je le mentionne. Il y en a deux. C'est long hein, d'écrire deux romans, hein, même s'ils sont pas très épais. Enfin, le deuxième est plus gros que le premier quand même. S'il vous plaît. Mais non, 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 il n'y a pas mon livre, malheureusement. Elle ne me lit pas. Qu'est-ce que tu veux? Mais le jeu est sorti avant que le jeu est sorti avant que j'écrive mes livres. Donc je n'y en veux pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire là? Ah non, Mountain Arclay. 7 juillet 91. Très bien. Bon, on est d'accord que vers la cuisine, normalement, il y a une horloge. Hein? Bon, tout ça, on a fait, hein.
C'est moi le jeu à moi. Hein. J'ai fait quelques petites modifs hier. J'ai l'impression que ça a porté ses fruits. Ah, le jeu à moi. Ah, il est peut-être moins beau aussi. Hein. Mais bon, on peut pas tout avoir. Qu'est-ce qu'on entend là? Oulala, j'ai... Oulala, quoi, il y en a deux? Oh là là, ça va être la merde. Non, pas tant que ça. Oh là 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 là. Il est pas mort? Oh là là, mon dieu. On a utilisé toutes nos cartouches. On va se prendre un petit coup d'herbe. Hein. Ah non, on peut les combiner. Attendez. J'ai vu qu'on pouvait faire les combinaisons ici. Et voilà. Je suis pas encore assez mal en point pour prendre de la vie. Alors là, oui. Alors pardon, on était parti sur l'horloge. Et bah là, il y en a une. Putain, mais je sais pas lire l'heure, moi. Je vous l'ai dit. On va essayer quand même. Il doit être 10h15. Putain, je suis bon là. Je crois que c'est ça en plus. J'ai appris depuis. C'est parce que je suis moins stressé là ce soir, je sais pas. Bon, toujours le... Ouais, 10h15. Non, ça va, c'est une heure ronde, je suis pas trop... Ça va. Et là, on l'a jamais lu ça. Nico bricolage, scie, corde, collier de chien. D'accord. Alors, 10h15. Allez, on repasse par là. Et on retourne là-haut. On a bien fait de les tuer. Hein. Ils nous auraient emmerdés. Hein. Mais vous voyez, dans l'autre VOD, on avait trouvé un kit de réparation. On aurait pu réparer ce fusil aussi. On peut toujours d'ailleurs. Maintenant, la porte est restée ouverte. Enfin non, elle est restée ouverte parce qu'il y a le fusil. On pourrait changer, c'est ça que je veux dire. On pourrait avoir un autre fusil à pompe. Allez, 10h15. Oui, après, faut voir si c'est PM ou AM, mais on s'en fout puisque là, ça va être la même horloge. Allez, mon coquin. Non, je retourne. Ah! C'est pas moi, hein. Mais comment ils font? Ah, voilà. Je suis con, j'aurais dû partir dans l'autre sens. Et voilà! Et voilà, et voilà! Ça s'est refermé. Nom de Dieu, mais moi je suis pas du tout prêt. J'ai 5 balles. On a plus de balles, on a plus rien. Oh là là. Ah mon Dieu. Ah bah oui. Alors je sais pas s'il a un carte d'accès rouge. Ah oui, c'est pour la discothèque. Tu te souviens ta petite discothèque? Tu me demandais comment on pouvait y rentrer. Ah, munitions améliorées, bah merci. Je vais changer. Voilà. Ouais, ça fait très Hellraiser. Quel dommage qu'il n'ait jamais fait un jeu Hellraiser. J'ai regardé sur internet. Il y a eu des pubs il y a très très longtemps sur la NES, ils voulaient faire un jeu Hellraiser, mais a priori il est jamais sorti. Ça aurait été une licence impeccable. Ah, on a déverrouillé, mais alors du coup on va se retrouver où? Ah, on arrive dans le workshop. Ok, donc là je tourne direct à droite. Je savais bien qu'à un moment donné... Oh putain. Oh putain. Oh putain, je suis passé. Ah, me demandez pas. Il y en a encore un troisième. Ouais, Jericho, mais c'était pas terrible. Ah bah non. Attends, ils vont pas me suivre dans la pièce interdite. Moi, je fais une save. C'est la petite save du pauvre. Hein.
Ouais, Jericho chose, ouais. C'est marrant, je l'ai vu il y a pas longtemps. En regardant justement sur Sens Critique quelques 2-3 jeux. Et je vais regarder ce que j'ai dans mon inventaire parce que là on est vraiment dans la merde. Bon, ça je le garde évidemment. La clé serpent on le garde. La photo du trésor, hein, on verra ça plus tard. On peut prendre un fluide. Un fluide chimique. J'ai pas pris de fluide chimique là. Non, j'ai pris les balles que j'ai pas besoin. Ah non, c'est des munitions améliorées. Évidemment que j'en ai besoin. On va faire ça et on va faire un... Là, je peux faire... Non, je peux pas. Si, voilà. On s'est refait un soin. Eh, t'as vu ça? Comment j'ai dodgé? Bon, moi, ce que je veux voir, là, vite fait sur le plan, c'est qu'avec la clé serpent... On en a récupéré un, mais à l'étage, je crois... Voilà, il y en a une deuxième. Il y en a une deuxième, donc on va monter. Hein? On va monter. Ah, je te les ai slalomés, là. Ils sont pas très réactifs. Je m'attendais à... m'attendais à mieux. Il va y en avoir d'autres, hein. Ça, c'est une certitude. Mais qu'est-ce que c'est que ce mucus? Allez. Mais qu'est-ce que c'est que ce mucus? Mais qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. On a peut-être oublié... Je regarde si on n'a pas oublié des petites choses ici. Hein. Parce qu'il y a plein de fois, on s'est aventuré un peu partout. Et puis, on n'avait pas de place dans l'inventaire. Maintenant on a de la place. Ah, je me suis fait plaisir. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, non, là on a tout fait là, je sais. Allez, on va la pièce serpent. Elle est où? Ah bon, on l'a passé. Là, il n'y a pas des petites choses qu'on n'avait pas pu prendre? Je regarde vite fait. Bon, le livre, on l'a lu. Par contre, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de petite cassette, hein. Virdule, ce connard d'hippie qu'on a attrapé, fous-le dans la zone de traitement. Ouais, ça, on l'avait lu, je me rappelle très bien. Ça, c'est pour mettre les queues de bière. Non, c'est ici. Allez, hop. On a fait tout le tour, quoi. Allez, c'est parti. Nouvelle découverte pour Vénus, c'est-à-dire... Resident Evil 7, oui. Elle avait joué un petit peu au tout début pour lui. Je voulais lui montrer. Là, je recharge mon pompe. Je voulais lui montrer l'expérience VR. Ah non, tu parles de Père Noël est une ordure. Elle connaît, oui, je lui ai montré. Alors, le avril, maman m'a emmené à l'hôpital de la ville. Ils ont pris une photo de ma tête avec une machine bizarre. Ensuite, maman m'a acheté un puzzle de 259 pièces au magasin de jouets. Cet imbécile d'Olivier n'arrête pas de me taquiner. Il dit tout le temps, t'es malade dans ta tête. J'ai menti à Olivier. Je lui ai dit de venir pour ma fête d'anniversaire et puis je l'ai enfermé dans le grenier depuis l'extérieur grâce à ma télécommande. Il n'arrêtait pas de me supplier. Laisse-moi sortir, Lucas. J'ai changé la télécommande pour que cette idiote de Zoé ne puisse pas aller dans le grenier. Je l'ai combinée avec l'un de mes trophées d'inventeur. Elle ne le trouvera jamais. Merci pour toutes ces indications. La pièce de théâtre est encore mieux que le film. J'avais bien aimé la pièce de théâtre aussi. Deuxième concours de jeunes ingénieurs, troisième place. Il a dit un truc par rapport à son... Par rapport à son trophée de je sais pas quoi. J'inspecte. J'ai lu en diagonale. Hein. J'ai lu sans lire. Donc c'est la jambe de Lucas, mais il a une jambe quand même de sacrément de gamin. Hein. Le crocodile, ils l'ont quand même utilisé plusieurs fois. Hein. C'est un petit peu surprenant. Ah. Et voilà.
Ça vous plaît? C'est moi qui ai trouvé. Il est cassé. Ah, on a trouvé. Allez, une petite plante. Ah, encore un petit dessin. Olivier a arrêté de crier, mais parfois je l'entends frapper là-haut. Ça pue comme pas permis. Il y a un drôle de jus qui coule du plafond. À part ça, j'ai eu le temps. J'ai encore changé le trophée de la télécommande. Maintenant, il y aura de la lumière, même la nuit. Ça, c'était vraiment si on trouvait pas, quoi. Alors, Olivier, voyons voir la tronche que tu as. Oui, il risque d'être encore... Ah bah, il a peut-être muté, vu que tout le monde mute. Ah, on a une nouvelle cassette. Ça, ça va nous faire plaisir. Un nouveau flashback qu'on va jouer. Et la réplique du fusil qu'on va pouvoir... Une fausse hache, tiens. Contrat de rénovation client Jack Baker. C'est le père, ça, hein, c'est le padré. Hein. Contactant Trevor et Chamberlain Construction. Période de chantier, ok. Détail, installation d'une porte activable par des ombres dans le hall principal. Ah, donc c'est eux qui se sont fait installer ces petits mécanismes. Ça, j'aime beaucoup. Ah, ça va me plaire, ça. Hein? Ça va vous plaire aussi, ça. On aime bien, nous. Un tableau intitulé Le Jugement. Il représente une femme à genoux devant la foule. Ouais, mais qui va se faire décapiter. Bon, vous allez voir qu'on va faire le jeu d'ombre et ça va ouvrir la petite maison, je pense. On se souvient plus, hein, mais c'est... Mon instinct me dit. Mon instinct. Alors, c'est un petit peu plus complexe, là. Et pas vraiment. En fait, là, quand je regarde la forme, je le vois, le mec, avec sa hache. Attendez. Ça va être comme ça, déjà. Voilà. Bah merde, il est dans l'autre sens, alors. Voilà. Oh mon dieu, je suis trop fort! Oh. C'est qui le patron, là? Hein? Qui le patron? Et voilà, la carte d'accès bleue. Ah ouais, c'est... Le Resident Evil 7, vraiment, a été une très grande surprise pour tout le monde. Vu que le 6, est un... vraiment, c'est une catastrophe. Hein. C'est même pas un bon jeu d'action. Mais alors, celui-ci... Ah, 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 vous avez vu, lui, là? Allez, on se le fait. Peut-être pas avec ce flingue-là. Allez, pour le plaisir. Pour le plaisir. Ah, ça va. J'ai pas ma voix de grand soir. Les puristes seront rectifiés en temps réel. C'est comme le plat du jour, c'est le patron qui l'a fait. Bon. On a toutes les télécommandes, hein. On peut se casser. Mais on peut prendre le fusil. J'ai bien envie de faire ça, moi, Romain. Hein, toi aussi, ça te plaît? Oh, encore le téléphone, mais on a le temps de rien dans cette baraque. Allô? Oula, ça rame un peu. Laisse-moi parler à Mia! Non, non, non! Tu dois d'abord te pointer! T'as quand même pas oublié où était la fête, pas vrai? Tu peux entrer depuis le jardin! Dépêche-toi, mec! Allez, tout le monde t'attend! J'ai ouvert, je me sentais un petit peu boudiné. Là, je suis drôlement plus joli. Alors, je n'oublie pas que je dois prendre le fusil, hein. Par contre, la fausse hache, je vois pas à quoi ça sert. Hein. Merci, Gogol. Vous n'avez pas assez de place dans votre... Oui, bon, on va faire une... Qu'est-ce qu'on peut faire? Munition améliorée. Voilà. Ok, bah on s'en fiche. On s'en fiche parce que... Merde. On s'en fiche. Ah, mais... Je vais tous les faire sauf le bon. C'est une réplique de fusil en bois, impossible de s'en servir comme arme. Eh ben allez hop, on l'utilise. Bah quoi?
Il veut pas la mettre? Attendez. Ah non, mais faut que j'appuie. Oh là là, je suis trop con. Je me voyais dans les autres Resident Evil là. Non, non, c'est bon. Par contre, il y a un truc qui est curieux, c'est cette fausse hache. Hein? On la garde, mais on sait pas. On sait pas. Moi, ce que je propose, c'est d'aller mettre les fusibles. Et puis de regarder la cassette surtout. On va faire ça dans le mobilhome. Hein? Oh, ça ramouille un peu, mais ça va. Oui, ma femme m'a dit, c'est rigolo quoi. Et voilà. Quoi? Oh putain. On verra ça avec lui plus tard. Putain, ça rame un peu là. Ma femme m'a dit, on voit pas tes mains quand tu joues, ça fait un peu gogol. Change ça. Donc maintenant vous me voyez jouer. Hein, c'est quand même bien plus sympathique. Du coup, on est là. On peut regarder la cassette. Déjà on va fermer le frigo, c'est quoi c'est, on fait pas des économies là. Surtout avant, on va ranger cette fausse hache. La carte d'accès bleue, bon, on la garde hein, pour le moment. Non, on va les ranger parce qu'on va aller faire la vidéo. Non, je suis idiot parce que de toute façon, c'est un flashback. Donc, on peut garder ce qu'on a besoin. Hein. On peut garder ce qu'on a besoin. Hein. Il est où? Non, putain, mais je veux pas prendre ça. Voilà. Voilà. Non, ce qu'on peut se débarrasser, c'est la clé serpent. Il y en a plus. On les a toutes ouvertes. Voilà. Allez, on se fait une petite save du pauvre. Je lui demande à Léa, évidemment. On se fait une petite save du pauvre et puis on se watch la cassette. Allez, c'est parti. C'est la cassette Joyeux Anniversaire. Une cassette vidéo, il est écrit Joyeux Anniversaire sur l'étiquette. J'ai hâte de regarder ce film. Jamais vu. Jamais vu, moi, ce film. Happy Birthday, le 2 juin 2017. Experiment. Can trespassing idiots solve puzzles? Toi, mon pote, on peut dire que t'es un sacré vénard. Ah bah oui. Tu sais, je t'envie, en fait. Quoi? Vous avez entendu le brop? C'est un petit hommage à Resident Evil, c'est le son des premiers jeux. Sur PlayStation. J'ai mis des semaines. Et c'est enfantin. Et tout ça rien que pour toi. Allez, vas-y. Fais pas la gueule. On va bien se marrer. Tu vas voir. Bon, toujours un petit souci de synchro labial. D'où la nécessité du clavier. Du boîtier d'acquisition. Il y en a marre de jeu sur PC. Hein. On est marre. Même là, je suis obligé de remettre un fil. Regardez, il y a un fil à ma manette. Le Bluetooth ne voulait plus fonctionner. Oh là là, ça me saoule. Allez, si on prend la bougie, qu'est-ce qui va se passer? On voit plus rien? Ah non, bah... Bon, très bien. Je m'en souviens plus, hein. Je me souviens de l'avoir fait, évidemment, à l'époque. Mais je me souviens plus. Alors, ça va être de l'énigme. Là, il y a du petit ballon. Normalement, il serait censé péter quand je m'approche avec ma petite bougie. Petite gazinière. Là, il veut pas. Évidemment. Flotte. Happy fucking birthday. J'aimerais vraiment sortir de cette pièce vivante et ne pas mourir dans d'atroces souffrances. Je sais, c'est un titre provisoire.
prends une bougie, allume-la et mets-la sur le gâteau. Et n'oublie pas de sourire, cette fête est pour toi. Va te faire foutre. Là, on aura des petits symboles à mettre. Ok. Là, il y a du pinard. Clé de remontage. Ok. Ça n'arrête pas de couler. Ok. Et bah quoi? Je veux utiliser ma... Ah non, c'est du gaz? Ok, on va rallumer la bougie. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai une clé de remontage. Là c'est par où on est enfermé, ok. Ça c'est quoi? Ah. Oh là. Qu'est-ce qu'il a dans sa main? Il manque quelque chose évidemment. Attendez, on peut tirer... Ah, ça s'est allumé ici. On peut tirer la chasse d'eau. Ah ouais, bravo. Mais... Qu'est-ce que c'est que cette matière? Mais qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Oh la vache, c'est dégueulasse. Oh ça va. Prends ton courage à deux couilles. Télescope sale. On a un télescope. Mais il est sale. On peut pas le nettoyer. Non. Est-ce qu'on peut lui mettre dans sa petite main? Ça ne rentre pas. Attendez, je vais regarder ce que c'est le télescope. Ah, on va pouvoir le combiner? Non, on pourra pas le combiner. Ok. Un petit télescope, très sympathique. Il semble être équipé d'un filtre polarisant. La crasse empêche de voir de à travers. On peut peut-être le nettoyer ici. Il n'y a pas d'eau qui sort. Ah, ça te plaît, hein? Ça vous plaît, hein? Les petites énigmes comme ça, moi ça me plaît. Évidemment, il va falloir qu'on aille le nettoyer. Bon, avec la bougie, là... Ben là, attendez, là, on peut allumer, là. Il n'y a aucune raison, bah si c'est du gaz... Ouais, ça va nous faire un petit lance-flamme. Ça va faire péter la baraque. C'est peut-être pas malin. Non, on peut rien faire là. Ah, mais j'ai pas vu toutes ces petites téloches. Mais c'est. Il y a un vieux avec son chien. Il y a la vieille qui est là. Il y a Léa. Il y a le clown. Ça, on peut pas le cramer ça. Et ben voilà! Tu ne vas pas mettre la bougie sur le gâteau comme il t'a demandé? Ben je peux pas. À chaque fois que je passe, il y a de l'eau qui coule. Et qui éteint ma bougie. Difficile d'ouvrir ça sans le mot de passe, ok. Alors évidemment, on a envie de faire ça. Quel plaisir! Quand je passe avec ma bougie, regarde. Tu vois, ça m'éteint. Il a dit de mettre la bougie sur le gâteau, oui. Mais elle n'est pas allumée. La mort, ok. Il faut que... Attends, il y a quelque chose qui m'a échappé. Je me souviens que j'avais passé un petit bout de temps, mais je l'avais pas trouvé du premier coup. Et utiliser le télescope avec un rayon de lumière pour allumer. Ouais, comme on cramait les fourmis, oui.
Oui, mais enfin, c'est une bonne idée, mais enfin, je vois tout à fait. Mais here. Ouais, ça c'est quand on ouvrira la porte. Le télescope, je peux pas. Tu veux que j'utilise où aussi? Attendez, il y a forcément un truc que j'ai zappé. Bon, là, il nous a dit qu'il n'y avait pas d'eau. Là, on a fait le tour, hein. On a fait le tour. Ça l'active, en fait. Il va faire quelque chose, mais il va falloir lui filer autre chose. Ok. Avec le gaz, tu sais. Non, non, il n'y a aucune raison de brûler ça, il nous dit. Non, non, c'est un télescope qui est sale. Attendez, il y a forcément un endroit où... Il y a forcément un truc que j'ai pas vu. Ça, c'est curieux, ce truc-là, on sait pas du tout à quoi ça sert. C'est du gaz, hein, on est bien d'accord, hein. Mais... Non, il n'y a aucune raison d'utiliser ça, il nous dit. Attends, je retourne dans la pièce où il y a les ballons, il y a peut-être un truc que j'ai pas fait. S'il y a des ballons, c'est que ça cache peut-être quelque chose. Ah, regardez. On a trouvé un ballon. Voilà. Bon, le ballon, on va le mettre au bout du truc de gaz. Mais je vois pas à quoi ça peut servir. Bravo. Oh. Non, il n'y a pas d'interrupteur. Oh, bah je me suis pris un petit truc dans le bide. Une plume. Ok, bon, ça j'ai compris, il va falloir le filer à lui. On va lui filer la petite plume. Ça ne tient pas. Ils sont drôlement coquins là. On n'a plus de ballon. Oh, et puis maintenant c'est fini. Attendez. Ce nouvel objet, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais aller regarder s'il y a un interrupteur pour te faire plaisir. Effectivement, on aurait pu croire. On a une petite plume. Elle pourrait servir à quoi la petite plume? Pareil, on pourra pas la combiner, hein. Bon, le truc, c'est que je connais déjà le mot de passe. Parce que j'ai déjà joué au jeu et je me souviens du mot de passe. Mais bon, je me souviens plus de comment je l'ai trouvé. Ouais, il manque un doigt au clown. Alors ça, je le sais, hein, parce que j'ai déjà fait le jeu. Et c'est pour ça que je vous le dis pas. Mais j'essaie de trouver quand même l'énigme Oui, parce qu'une fois qu'on va lui mettre la plume, qu'on va l'actionner, il va faire quelque chose, quoi. Attendez, la plume peut nous servir à quoi? Juste à lui mettre... On est d'accord, la plume va servir juste à lui mettre dans la main. Voilà, ça ne tient pas, il lui manque un doigt. Où je peux trouver le doigt? Me souviens plus. Me souviens plus. Ah, je repasse un coup là, attendez. Je regarde s'il n'y a pas un truc que j'ai zappé. Parce que souvent je suis très tête, très tête en l'air. On peut pas regarder à travers ce truc là, hein. C'est marqué, il semble être équipé d'un filtre polarisant. La crasse empêche de voir à travers. J'aurais voulu le nettoyer. Ah! On peut le nettoyer avec la flotte là qui tombe.
Ah bah je vais passer en dessous. Il va me le nettoyer. Attendez. Je vais passer en dessous du truc, il va me le nettoyer. Attends, je suis un génie. Et voilà. Et voilà. Ah, voilà le code. Putain, mais je suis trop fort. Un pendu, un corbac, un fœtus. Un pendu, un corbac, un fœtus. C'était où? Non. Merde. Un pendu, un corbac. C'est ça? Non. Et voilà. C'est du bien joué là. Hein? Poupée de paille. On a une petite poupée de paille maintenant. On va examiner. You. C'est marqué que c'est moi. Si on va le cramer. La poupée est dure au toucher. J'en suis ravi. Je lui mets dans sa petite main pour voir. On va le cramer. On va cramer. Et voilà. Le doigt de l'automate. Je vais rallumer ma bougie pour la peine. C'est du bien joué ça. Allez, allez Coco. On va te remettre ton petit doigt, tu vas pas te le remettre dans le cul. Ça va, ça va. On a plus le droit de rigoler. Bon, maintenant qu'il a toute sa main, on va lui mettre la plume. Et allez. Il va nous chanter pour le plaisir d'Herbert Léonard. Oh oh. Sympa. Loser. RB voir votre bras. Ouais, petit tatou gratuit, sympatoche. Pour le plaisir. Comprenez pourquoi j'ai du succès avec les femmes. Hein? Ça tient pas grand chose, hein. Petite chanson de temps en temps. Faut juste s'entraîner. Et comme je vous ai dit, encore j'ai pas ma voix des grands soirs. Allez hop. Ok. Allez. On a le volant. Here. C'est bon, c'est une affaire qui roule. Les petits ballons, hein, qui... le petit volant, on pourrait l'utiliser... Parce qu'on a toujours ce truc qui nous emmerde, en fait. Où on peut couper l'arrivée d'eau? Un volant qui peut être attaché à une tuyauterie pour actionner une vanne. Le souci, c'est que j'ai pas vu... est-ce que t'as une idée, Nictaras, là, où on peut utiliser la vanne? Je sais plus comment on coupe l'eau. Peut-être que c'était... Oh non, ils auraient pas mis l'objet juste à côté, ça aurait été trop idiot. Est-ce qu'il nous faut encore la lunette? Pour découvrir? Tu m'as pris pour un plombier. Non, je t'ai pris pour un ami. C'est pas grave, j'y vais avec mon verre polarisant. Comme ça on voit que dalle. Bah mince, on a la fin là. Comment...
on était bien parti là. Bon bah lui il va plus nous aider hein, c'est terminé. Où on peut couper l'arrivée d'eau? Sous le lavabo. Bon là c'est les toilettes. Le lavabo, il n'y a pas de lavabo. Ah si, un lavabo. Ici? Ouais mais non. Ça n'aurait ni queue ni tête. Ça n'aurait ni queue ni tête, ni que ta race. On est bien d'accord que si je rep... J'ai pas vu de... De valve ou de... Attendez, peut-être ici. Bah non, c'est la pièce. Je suis trop bête. Y a pas une trappe sous le lavabo? Ouais, c'est pas con ça par contre. Tu vois, de temps en temps, tu peux avoir la bonne idée. Mais non, non, y a que dalle. Y a que dalle. Non, non, on n'est pas... C'était un feu de paille, notre réussite. Malheureusement, notre réussite, là, ça a été un feu de paille. On en est à... Alors, c'est peut-être... Moi, ce qui me fait peur, c'est que ça continue de couler, là. Regardez-moi ça. Putain, mais je la vois pas, moi, cette putain de vave. Je vois pas où je peux actionner. Ah, bah voilà. Allez, mon go. Allez, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouais. J'espère qu'il est bon joueur. Oh, ça va. Oh! Et oh là! On a merdouillé. On n'a pas fait assez vite. Merde! 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 Oh putain! Ah merde! Oh merde! Merde! Ah ah ah. Et alors? On était condamné à mourir. Joyeux anniversaire. C'est du propre. C'est du propre. Bon, on a réussi. Je crois qu'il y a un trophée où il y a moyen de ne pas brûler. Pour cela, il faut faire l'énigme plus rapidement et que le liquide ne se déverse pas dans la pièce. Tu sais, quand on arrive au tout début de l'énigme, c'est un peu comme dans Saw, en fait. Eh ben, dis donc, la cassette, elle est drôlement longue, là. Ok. Donc, du coup, on s'est regardé la cassette. Je me fais une petite sève, et puis on a les fusibles, on va pouvoir aller à la discothèque. Alors, les cassettes ne sont pas obligatoires, hein. Mais elle nous indique quand même... Oui, les cassettes qu'on fait là, les flashbacks. On n'est pas obligé de les regarder et de les faire. Mais elle nous indique... Deux, trois petits emplacements. Puis au niveau de l'histoire et tout, c'est sympathique. Très bonne idée, moi, je trouve. Quoi? Ah, il y a encore l'entrée enfoiré. Oh putain, mais il... Eh ben attendez, oh. Eh, on s'était pas mis d'accord là, que fallait pas me faire chier. Oh lolo lolo lolo. Dis donc, là les deux là dans le jardin, ça rigole que dalle. J'espère que je va pas planter une fois de plus. Je m'attendais pas à ça là. Attendez, on va...
Ah, il me reste 3 balles de fusil à pompe, on va les prendre. Bon, vous êtes où là, les connards, hein? Qui c'est qui veut du plomb là? Ah, mais il va te faire enculer peut-être! Ah, bah d'accord! Eh ben d'accord. Eh ben on a bien fait de se faire un truc de vie. Ça rigole que dalle quoi. Welcome to paradise. D'accord mais... Il y a de la musique là. Ah oui tu les appelles les mycomorphes. C'est vrai. Ok. Non le couteau je veux pas le mettre mais... Et voilà on peut rentrer. On a accepté dans la boîte. C'est bon, je connais le patron. Je connais le patron, il me doit 10 balles. Oh, vous avez un retour quand même magnifique, vous. Moi, je joue en très éclairé, c'est très désagréable. Ah, un petit lag, oh, ça va. Let's play, ouais, voilà. Je cherchais le play. Alors ça fait très saut, hein. On voit qu'ils ont été influencés, hein. C'est à cette époque-là où il y avait les sauts. Exactement. Non, Ethan, ça n'a rien de spécial. Ça, oui, c'est spécial. Tu vois, Ethan, tout le monde ne souhaite pas revenir en arrière. Quoi, Evelyn? J'essaie juste de lui montrer qu'on ne veut pas tous que les choses redeviennent comme avant. Zoé n'est qu'une sale... Il ne comprend pas que je ne veux pas que les choses redeviennent ce qu'elles étaient avant que mon père ne retrouve. Oh, le doublage. Je ne peux pas remonter le temps. Alors Ethan, il a des beaux yeux. Tu peux... Ça me laisse pas indifférent. Tu peux te mettre à quatre pattes et fouiller cette vieille barque pourrie autant que tu veux à la recherche des ingrédients, mais tu trouveras que dalle. Ethan, tu veux fabriquer sérum? Ouais. Oh oui. Il va falloir passer par moi. T'entends? Allez bien, Ethan. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, on va t'arracher la tronche, t'inquiète pas. Regarde. Oh là là! Une télé toute neuve! Enfoiré! Enfoiré, une télé toute neuve! Regarde, un super modèle! Enfoiré! Ethan, il est réparateur de télé. Il ne supporte pas. Il ressemble au mec qu'on voyait dans les manuels d'histoire. Tu sais, ceux qui glandaient à moitié à poil dans les campings de plein air. Je vais mettre un petit coup de... Non, je peux pas m'en fabriquer un. J'ai pas de truc rouge. Attendez, je suis arrivé par là. Bon, je suis pas trop con. Enfin, si. Hein. Là, c'est la télé. Bah, par où? Ah, bah là, il y a une porte. Oh là là, Romain. Romain! Oula, 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 oula! Je l'ai vu, ton piège. On a du fluide chimique. Normalement, on va pouvoir faire une petite combinaison. Voilà, très bien.
Je vais tirer dessus. Hein? On est d'accord. Bon, pas si près. Allez hop. Waouh, on peut dire que t'as l'œil. Évidemment que j'ai l'œil. Et le bon. Évidemment, Lucas. Mais Lucas, ça rime avec Judas. Ils sont dangereux. Alors celui-là, quoi qu'il nous pète à la tronche. Ah, l'essor du tourisme de plein air en Europe centrale dans les. Ah, tu me faisais une blague sur les déportés. Oh non, mais ça, ça me fait pas rire. Moi, mon grand-père était déporté. Hein. En 3 ans. Ouh là 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 là, il y en a un là. Fais attention avec ce genre de blague, tu peux te faire bannir de Twitch. Pas par moi, hein, évidemment. Pour ça, j'en sais rien, moi, tes grands-parents. Ils ont été déportés, tes grands-parents? Oh, mais merde! Bon, je me soigne. Enfin, qu'on remarque, je crois me souvenir qu'on a connu un surprenant succès des locaux commerciaux qu'on l'achetait pas cher. Mais quand je dis que mon grand-père a été déporté, bon c'est vrai, mais il a pas été déporté comme tu peux peut-être le comprendre. Il a été déporté, oui, mais c'était le service de travail obligatoire, le STO. Il était obligé de travailler gratuitement pendant... Enfin, il était prisonnier pendant 3 ans par les Allemands. Et il a vécu 3 ans en Allemagne à travailler pour eux. Certainement à faire des munitions, des saloperies. T'es prisonnier quoi. Il y en a eu plein de Français comme ça. Saloperie de mot de passe, hein. Et si t'essayais 08 à 4? Certainement pas. Non. 06 2 1. Non. C'est 05 1 4. Bah vas-y. Tente ta chance, on sait jamais. Non. Tac. Tic. Non, tac, je tente rien du tic, tout. Tac, qu'est-ce que tic, c'est ça tac. Il me fait peur, lui. Voilà, bah oui. Alors, tu nous as pris pour un couillon? Nom de Dieu. Oui, voilà. Il ressemble à Thierry l'ermite en déporté. Ça, tu vois, alors... Qu'est-ce que je pourrais prendre pour me faciliter la vie? On a du combustible, hein. À la limite, moi, je serais d'avis de reprendre le combustible, de virer le fusil à pompe, et de reprendre le lance-flamme, hein. Tiens, on a du chimique fort, on va le prendre aussi. Il est où notre... Ah bah voilà. Hein, on va faire ça, on va essayer de pas être trop con. Là, maintenant... Voilà. Voilà, on peut revenir sur le lance-flamme. Bon bah joyeux anniversaire, on peut la virer la cassette. Elle va plus nous être d'aucune utilité maintenant. Le bras de série D, on le met de côté aussi. Il va nous falloir d'autres choses. Et par contre, on peut peut-être faire encore une combinaison. On peut faire quoi? Des munitions standard pour pistolet ou des munitions améliorées? Oh, il nous dit que... Enfin, je comprends rien. J'ai pas bien regardé. Peut-être que quand c'est grisé... Comment je rentre ici? Ah, mais regardez, c'est la pièce où on était, où dans le flashback, le mec était prisonnier. Comment on peut connaître le code? Ah, mais ça s'est ouvert, là.
On est d'accord, je suis jamais arrivé par ici. Ah ouais. On n'a jamais été là. Allez, allez, allez. N'aie pas peur, hein, Nictaras. Je sais là que tu dis plus rien, t'emmènes pas large. Je sais que c'est pas simple. Et ça va bien faire. Oh mais merde! Qu'est-ce qu'il y a? Faut tirer sur toutes les caisses maintenant? Putain, déjà que j'ai pas beaucoup de vie, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette matière? Qu'est-ce que c'est que cette matière? Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde! On va les trouver plus tard. Oh mais moi j'ai envie de tirer sur toutes les caisses maintenant. C'est malheureux. Peut-être que j'avais pas bien fait, pas fait attention et qu'il y avait du... Et qu'il y avait du fil. Ouais, c'est pas où on arrivait là. Ah, commencer déjà s'il y a fight avec la vie à moitié pourrie. Ah bah comment on le fait exploser? Ah putain, ça va être chaud hein. Ça t'a calmé ou pas? Putain, il m'a tué. Il s'en fout complètement du feu lui. Alors, rien à foutre. Là j'essaie de voir si... Oui, pardon, je relisais ton commentaire. Il en a rien à faire de mon petit feu. J'ai envie de mettre le siège un tout petit peu plus comme ça pour être un tout petit peu plus relax. Je suis un peu tendu ce soir. Hein? Je sais pas pour vous. Bon, c'est cool, il nous a remis là. Bon, là, on se fait pas avoir. À la limite, c'est pas plus mal. Ah oui, hein, mais il est... Comment on peut le savoir? J'ai tiré sur toutes les caisses. Voilà, là, c'est des balles plus... plus puissantes que j'ai mises. Ah, on est... Putain, on a les cartouches de fusil à pompe maintenant. Bravo. Bon, on essaie de le tuer comme ça. Putain, je le touche pas. Ah, putain. C'est bon, hein, je pense. Même moi non plus, parce que le lance-flamme, on a toujours l'impression qu'on fait pas d'économie. Je vais repasser sur l'autre flingue. Avec les... Mais là, je vais me faire avoir. Non, c'est bon. Mais à chaque fois, je recharge avec celui-là. Faut pas que j'utilise celui-ci. Ah, mon Dieu. Oula, oula, oula. Putain. Faut être malin. Faut déjà faire celui-là. J'avance un peu parce que le jeu, je le connais. Il va me dire non, vous étiez pas bien en dessous. Oh mais... Quel con! Ça m'a fait peur. J'avais pas vu, il y en avait un autre. Et j'ai plus de vie. Il est où l'autre fil, hein? Faut les faire dans l'ordre, quoi. Mais putain! Eh oh! Il y a des fois on est trop. Des fois on est. Il y a des moments c'est bon et puis il y a des moments c'est pas bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux pas croucher dans ce jeu? Ouais, si. Là, si, t'avais. Si. Je suis à deux doigts d'aller chercher à nouveau le. Le. Non, j'utilise pas mes. J'utilise pas mes balles spéciales, j'utilise ce flingue-là qui est merdique. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, hein. Putain. Je suis à deux doigts d'aller chercher le fusil à pompe, hein, vu qu'il nous redonne 3 balles. Y'a rien du tout dedans. J'aurais juré qu'il... Putain, mais j'ai rechargé, hein. Je suis complètement con, hein. Celui-là aussi, il explose, hein. Je sais plus. Non, je suis parano. Voilà, alors là pour l'ennemi.
Oh bah ça c'était du bien joué, non? Je m'y connais pas sinon. Je change de truc. Regardez là, on est prêt et pourtant ça nous fait rien. Vous voyez, c'est un petit peu démoniaque. Hein, je suis pas d'accord moi. Hein. Bon, on recommence, mais on fait ça bien. Alors déjà on fait celui-ci. Ouais, t'as raison, on peut se crocher. On s'est fait toucher par lequel? Ah oui, il y en avait un là. C'est bon, on peut y aller là. On a même pas besoin de les faire exploser du coup. Ah, j'ai une pièce antique. Ah, j'ai... Ça a explosé, hein. J'ai un stéroïde, putain, ça c'est bien vu. Il y a rien d'autre. On n'a pas besoin de les faire exploser. Bon, attendez. On fait un petit point, là. Ouais, le lance-flamme, ça sert à que dalle. Hein. Enfin, ça sert à que dalle. Je me suis refait de la vie. Ok. J'ai deux crochets. Moi, je préfère être avec celui-ci. Voilà, il est plus puissant. On aurait dû prendre le fusil à pompe. Hein. Terrible erreur. Voilà, ça c'est pas trop mal. J'espère qu'on va pas crever quoi. Merde, je l'ai loupé là. Elle monte à sa bobine. Ah, il recharge. Il a bien fait de recharger, j'étais pas dessus. Putain, j'ai bien fait de reculer là. Putain, mais ça fait. Ah bah putain! Combien il a fallu que j'utilise de balles là? Nom de Dieu! Oui, il est résistant alors que c'était le plus handicapé de tous. Petite herbe là, oui. Merci bien. Du coup, on peut se refaire. La petite herbe, je préfère la garder. Parce qu'avec un liquide rouge, on peut faire un. Attends, maintenant, je suis parano, je crois qu'il y a des pièges partout. Voilà, de la poudre à canon. Là, on peut se faire quoi? On peut se faire des munitions de pistolet. J'ai fait des munitions de pistolet améliorées. Voilà. Quoi, le jeu bug encore? J'espère que... Ah, le jeu a sauté. Non, j'y crois pas. Non, c'est bon. Ah, c'est parce que c'est mon joystick. Mon joystick. C'est mon pad qui s'était déconnecté, donc ça a mis le jeu en pause. Bon, on est bon, on est bon. On est bon. N'ayez pas peur, hein. Je sais que c'est pas simple. C'est une espèce de grange à l'assaut, quoi. Hein. On y est, là. Bon, bah, très bien. On a trouvé... Qu'est-ce que j'entends? Bon, on va se laisser là, de toute façon, mon bon Nictaras. Regardez, on a trouvé cartouche de fusée à pompe. On va se laisser là pour cette excellente session. Hein. C'était une excellente section, évidemment. Hein. Voilà, la safe room, on se laisse là pour la partie 4.
Et puis vraisemblablement, il va falloir que dans la cinquième partie, on va se faire Lucas. Hein. On va se faire toute la famille les uns après les autres. Hein. Ça, c'est comme ça que ça va se passer. Bon, j'espère que vous aurez noté que j'étais très beau en blanc ce soir. Merci à Johnny de m'avoir followé. Ça m'a fait très plaisir. Thanks, Johnny. Parce que monsieur est anglais, hein, attention. Donc je vous dis à demain, hein, Nictaras. Je vous dis à demain, demain soir, c'était là. Mais en tout cas, je continue demain soir à 21h. N'hésitez pas à mettre la petite cloche. Voilà. Et puis pour ceux qui sont sur YouTube, je ne le dis jamais, mais je vous embrasse et je pense souvent à vous le soir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça m'intéresse drôlement. Allez, bonne nuit à tous. Et je vous laisse sur mon excellent générique de fin. Tchuss.